Agora aprendo português. Bon, je me trouve à Heathrow, d'où je vais prendre un vol pour le Brésil. On m'a invité à parler à un événement de 1500 personnes et je vais parler de blogging, bien sûr. Et du coup, j'en profite pour faire ce petit vlog pour vous parler de mon changement de stratégie pour apprendre le portugais parce que, évidemment, j'adore le Brésil. Ce voyage va être l'occasion de le pratiquer. C'est quand même le troisième que je fais cette année au Brésil. Et en plus, j'ai en fait un quatrième à la fin de l'année. Donc, c'est aussi un bon moment pour checker un petit peu où j'en suis avec mon portugais. Je viens d'arriver à Belo Horizonte. Hey, t'as pas de pancarte? Non, pas cette fois. Pourquoi? Celle-là, elle est belle pancarte, tu veux pas lui emprunter deux secondes? Bon, on vient d'arriver dans la chambre et not too shabby. J'adore faire des vidéos à la volée comme ça, sans vous prévenir. C'est génial. Corre, você não aprende como deveria aprender. Sim. Mas já com as minhas filhas eu faço diferente. E o mesmo problema é os Estados Unidos. Pessoas não estão motivadas para aprender um outro idioma, porque todas as pessoas falam inglês. Muito mais ouvido o português. Sim. Do que propriamente conversar, falar. Ah. E por que você não fala inglês? E uso também uma aplicação Mozalíngua. 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 O problema de Duolingo é muito bom. Ei! These are the guys from Porto Alegre. Hello. They are here to like put some fear on us because there are so many people. Changement de programme, en fait, j'avais prévu de vous montrer une discussion que j'avais avec un Brésilien. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de commencer ma présentation par une petite présentation en portugais, en fait. Donc j'ai parlé pendant un peu plus d'une minute en portugais devant 1600 personne. Et je me suis dit que finalement, c'était plus parlant pour vous montrer mes progrès qu'un dialogue avec un Brésilien. Donc, c'est parti pour la séquence. Bienvenue, Olivier Roland. Tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui em Belo Horizonte. E quero te dizer obrigado à minha namorada, Carinha, que está trabalhando em Hotmart para implementar o mercado francês, e a João, que me convidou aqui. Agora, aprendo português. Mas preciso de praticar um pouco mais. Hoje vou fazer minha apresentação em inglês, mas talvez no próximo ano posso fazer minha apresentação em português. Obrigado. Alors, pour ceux que ça intéresse, j'ai quand même mis le dialogue avec le Brésilien tout à la fin de cette vidéo. En tout cas, je suis vraiment heureux. C'est un super accomplissement pour moi. Ça fait seulement 8 mois que je me suis mis au portugais et j'ai réussi à parler comme ça devant 1600 personnes. Alors, pas pendant toute la présentation. Après, j'ai switché en anglais. J'ai fait une seule erreur. D'ailleurs, si vous l'avez remarqué, eh bien, mettez-la moi dans les commentaires. Et voilà, j'ai fait une seule erreur devant 1600 personnes. C'est pas grave. Vous avez vu, ils ont adoré ça. Je leur ai dit bonjour. Je suis heureux d'être ici à Belo Horizonte et tout le monde s'est mis à applaudir. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui aiment la ville, même s'ils sont pas forcément de la ville, mais en plus ils ont vu que je suis français, que je fais l'effort
de parler une autre langue. Et ça, c'est extraordinaire. Et vous n'avez même pas besoin de faire un truc aussi compliqué de parler comme ça sur scène dans une langue que vous venez juste d'apprendre. Quand vous allez dans un pays, vous apprenez juste bonjour et merci, c'est très simple à apprendre et ça va vous ouvrir tout un monde de possibilités parce que les gens adorent quand les étrangers font l'effort d'apprendre un petit peu leur langue. Vous pouvez vivre des aventures que vous n'auriez pas vécues si vous ne déclenchez pas ce genre de réaction de sympathie. Et une autre clé pour apprendre une langue, c'est de faire ce que j'ai fait, de ne pas avoir peur de faire des erreurs devant les autres. En fait, le gros problème de la plupart des gens quand ils apprennent une langue, c'est pas finalement leur maîtrise technique, c'est la confiance qu'ils ont en eux pour utiliser cette langue avec justement des gens qui la parlent. En France, la Commission européenne a fait un sondage dans toute l'Union européenne et en France, il y a 19% des Français seulement qui estiment, enfin qui se sentent suffisamment en confiance pour avoir un dialogue dans une langue étrangère. C'est une des plus grosses hontes du système éducatif, alors que tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire l'importance de savoir parler une langue étrangère. Et le fait que le système éducatif échoue à nous apprendre une compétence aussi importante montre ses limites et montre que justement il faut pouvoir hacker par nous-mêmes certains aspects de notre éducation, parce que si on attend que l'école se réforme, on peut attendre longtemps. Donc maintenant, ma stratégie pour apprendre le portugais et qu'est-ce que j'ai changé récemment. J'ai déjà partagé dans cette vidéo le fait que j'utilise Duolingo et Mosalingua tous les jours, et ce discours devant 1600 personnes d'ailleurs coïncide avec presque le 160e jour d'affilée que je fais dans Duolingo. Et ma stratégie était simple jusqu'à présent, c'est que je faisais 2 leçons Duolingo, donc 20 points d'expérience, tous les jours le matin en prenant mon petit déjeuner, et ensuite je faisais un peu de Mosalingua. Duolingo, c'est une super application pour vous motiver et vous entraîner dans la course, parce que c'est comme un jeu vidéo, c'est facile, c'est marrant. Si jamais vous faites rien, vos amis le voient, ils peuvent vous charrier, etc. Voilà, c'est super. Mais le gros problème de Duolingo, c'est que c'est trop facile. Il y a des aides partout. Quand on ne se rappelle pas d'un mot, dans la plupart des exercices, il suffit qu'on survole le mot avec notre souris et on a la traduction. Donc, c'est trop facile et ça peut vous donner l'illusion d'avoir appris quelque chose, alors que finalement, oui, vous avez appris quelque chose, mais vous l'oubliez très rapidement. Et à contrario, eh bien, Mosalingua, c'est moins fun, mais c'est d'une efficacité brutale. En fait, c'est un système de flashcard. Vous avez le mot en français, le mot ou la phrase en français qui apparaît, et vous devez vous rappeler de la traduction en portugais. Et ensuite, vous retournez la carte et vous dites au logiciel si vous vous en rappelez parfaitement, vous en rappelez bien, vous en rappelez difficilement ou vous en rappelez pas du tout. Et du coup, c'est d'une efficacité brutale parce que le logiciel va vous montrer de manière beaucoup plus fréquente les mots dont vous rappelez peu. Et donc du coup, le logiciel ne nous lâche pas et on peut pas s'empêcher d'être confronté à ces mots justement et ces phrases douloureuses sur lesquelles on bloque. Puis on va aller dans le toboggan, ça fait toujours plaisir. Oh, c'est parti. Je me suis laissé un petit peu emporter par l'aspect gamification, preuve sociale, etc. De Duolingo, et quand j'ai atteint un certain nombre de jours d'affilée, j'ai plus eu envie de le perdre. Mais le problème, c'est que du coup, comme j'ai mis le focus, la priorité sur Duolingo, sur Mosalingua, et que Mosalingua est intrinsèquement plus efficace pour m'apprendre le portugais, j'ai trouvé que j'ai stagné un petit peu dans mon apprentissage du portugais. Je suis pas en train de dire que Duolingo est à jeter, je dis juste que moi, dans mon apprentissage, dans ma stratégie, aujourd'hui, je vais mettre à nouveau l'accent sur Mosalingua. Donc ce que j'ai commencé à faire à nouveau, c'est que le matin, quand je prends mon petit déjeuner, je commence pas par Duolingo, je commence par Mosalingua. Je révise 50 cartes et ensuite j'en apprends 5 nouvelles au minimum par jour. En tout cas, c'est l'objectif. Ce qui fait que je stocke de manière plus efficace les mots dans ma mémoire à long terme et j'en apprends au moins 5 nouveaux par jour. Là, j'ai dépassé les 1300 cartes apprises sur Mosalingua. Et je renonce pas à Duolingo. Après Mosalingua, je fais Duolingo. Par contre, j'ai abaissé l'exigence dans le logiciel. Au lieu que je dois faire 2 leçons par jour, j'en fais une seule. Et d'ailleurs, j'ai aussi terminé tout le cours de portugais dans Mosalingua. Donc en fait, maintenant, je révise les cours. Et dans ce cas-là, Duolingo est très utile et efficace parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout le vocabulaire qu'on apprend dans Mosalingua, on l'utilise de manière différente dans Duolingo. Du coup, ça permet de s'approprier les mots dans un autre contexte, d'apprendre à utiliser les mots de manière plus créative. Et en plus, aussi, ce qui est bien dans Duolingo et que Mosalingua n'a pas, c'est qu'il y a des exercices de reconnaissance orale où on nous dit la phrase et ensuite on doit la taper. Si on n'entraîne pas son oreille, après quand on va au Brésil ou au Portugal, c'est un peu compliqué de comprendre. Et aujourd'hui d'ailleurs, j'ai plus de facilité à parler portugais avec les gens. Il y a une soirée il y a 2 jours, j'ai parlé pendant une demi-heure avec
trois Brésiliens qui parlaient pas anglais, donc on parlait en portugais. Et j'ai plus de facilité à me faire comprendre qu'à comprendre ce qu'ils disent. Donc je dois souvent leur dire un poco mais devagar, por favor, un petit peu plus lentement, s'il vous plaît. Évidemment, il y a aussi ma copine qui est brésilienne, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur ma larme à l'œil, où j'avais une larme à l'œil en fait, quand je m'étais rendu compte que ça faisait une heure qu'on était en train de parler portugais au restaurant. Là, j'ai pas eu de larme à l'œil après cette présentation, mais en tout cas, c'est un accomplissement dont je suis extrêmement fier. Et je pense qu'aujourd'hui, apprendre une nouvelle langue, ça peut vraiment être quelque chose d'excitant, de marrant avec toutes les applications qu'on a. Et en plus, quand vous pouvez, bah, comme je l'ai fait là, le mettre en pratique rapidement, c'est vraiment quelque chose qui booste votre motivation énormément. Là, je veux dire, voilà, j'ai commencé cette présentation devant 1600 personnes. Sans doute que dans 12 mois, j'espère, en tout cas, j'aurai un niveau suffisant pour faire une présentation complète en portugais d'une demi-heure. Là, j'ai fait le reste de la demi-heure en anglais. Voilà, donc juste après, vous allez pouvoir voir mon dialogue avec le Brésilien. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous pensez que d'autres personnes devraient la voir pour être inspirées par apprendre une langue et à hacker leur cerveau pour apprendre une langue plus efficacement, cliquez sur « J'aime » juste en dessous, partagez la vidéo éventuellement en l'envoyant à la personne à laquelle vous pensez. À demain pour la prochaine vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas, soyez rebelles, soyez intelligents et faites partie des gens qui se bougent. Ciao. Hola Fernando, tudo bem? Oi, tudo bem. So, pergunta a você de falar um pouco em português comigo, uhum. Para demonstrar a minha audiência meu progresso em português. Pensar que estou... Poder me entender? Claro, claro, te entendo perfeitamente bem. Você quer de fazer uma pergunta a mim, amigo? Sim, claro, eu quero saber como que tu aprendeu português. Ah, é uma muito boa pergunta. E vai a explicar a minha audiência qual é minha estratégia? Estratégia? Estratégia para aprender. Vocês podem ver que meu português é não perfeito. É, mas ele é muito bom. Mas você pode me entender. Claro, perfeito, muito bem. E o mais importante. Sem dúvida. E vocês precisa de ter confiança. Exatamente. Você precisa de fazer erros com pessoas. Exatamente. É, exatamente. Quando a gente tem confiança e fala, as outras pessoas entendem. Sim. Né? Não precisa falar perfeitamente e acertar tudo, porque os falantes da outra língua sempre acabam entendendo, né? A gente consegue se entender, faz um esforço e tal. E tu fala muito bem. Não Obrigado. Precisa fazer nenhum esforço para te entender, nenhum mesmo. Obrigado. É melhor de falar com erros e de estar melhor que de esperar que você é perfeito, porque sim, não, sim. Não vai... É claro, e é errando que se aprende, né? Quanto mais a gente fala, quanto mais a gente tenta, quanto mais horas a gente faz, mais a gente se aperfeiçoa, melhor a gente fala no fim das contas, essa é a menor dúvida. E o que é rigolo, é que tu parles aussi français. Ah, oui, bien sûr. Parce que tu as vécu 3 ans en France et que tu as pu apprendre le français super rapidement. Oui, mais c'est un peu la même chose en fait. Moi j'ai eu ce défi à l'envers, quoi. Je parlais le portugais, j'ai dû apprendre le français un peu à froid comme ça. Faut apprendre, quoi. Ouais. Awesome. Ouais, exactement. Donc vous voyez, c'est génial d'apprendre des langues. Et puis vous avez plusieurs stratégies. La mienne où finalement vous allez apprendre un peu tous les jours avec votre, sans vous prendre trop la tête. Ou celle de Fernando où lui il est carrément allé en France, il ne savait pas parler français. Ouais. Et à un moment, soit il parlait français, soit il finissait tout seul, tout nu dans le caniveau. Ouais, parce qu'il ne pouvait même pas acheter une baguette. Voilà, ouais. Quoi. Enfin, il pouvait, mais c'était compliqué. Ouais, exactement. Et du coup, on apprend. On apprend.